Il n'y avait pas trop d'émotions, donc ça me donnait un peu peur. De Leize presenteert vier zeer kritische consumenten die eten voor twee. Vijf producenten en een spervuur aanvragen over hun product. Besef dat ik streng ben geweest. Je peux comprendre qu'il était un peu stressé. Tout le monde a une opinion sur le pain. Hein? Mais vraiment tout le monde, tout le monde. Dit is de zwangerschapstest. Bonjour, je m'appelle Tine et je viens vous présenter ce délicieux pain. Il n'y avait pas trop d'émotions, donc ça me donnait un peu peur. Ok, est-ce qu'ils regardent le pain? Est-ce qu'ils me regardent? Est-ce qu'ils sont en train de préparer les questions? C'est quoi en fait? Des femmes enceintes, en général, ils sont assez critiques. Je m'appelle Tine Van Dahl, je suis responsable marketing chez La Lorraine et ensemble avec toute l'équipe, on livre plus de 100 000 pains chez Deleuze tous les jours. C'est de la farine, de l'eau, de sel, il y a un peu de levure, levain, donc c'est super simple, c'est la nature quoi. Je suis très fière d'avoir de tels pains parce que ça montre que quand on travaille avec de bons ingrédients, avec un bon processus, avec des boulangers qui s'y connaissent, qu'on sait faire des bons pains aussi à plus grande échelle pour pouvoir livrer dans les délais. Est-ce qu'il y a des conservateurs dans vos pains? Pas du tout, aucun. Ah, ok. Ik had niet verwacht dat ze geen bewaarmiddelen gebruiken bij het brood. Parce que comme on produit les pains tous les jours avec des ingrédients naturels et qu'on les cuit encore tous les jours aussi dans le magasin, on n'a pas besoin de conservateurs. Les pains au levain sont seulement faits à Liège, mais tous les autres pains sont produits dans 6 boulangeries en Belgique. Donc on essaye d'être le plus proche du magasin pour avoir le pain le plus frais possible. Et combien de pains vous produisez par nuit? Chez Deleuze, on livre plus que 100 000 pains par jour. Waouh! Oui. Le pain de nature est source de fibres, donc surtout les pains gris et les pains complets. Quand tout le monde a besoin de fibres hein, pour faire fonctionner tout ici à l'intérieur, on a besoin de beaucoup d'énergie, surtout quand on est enceinte. De temps en temps, on peut utiliser encore un peu plus d'énergie. Parce qu'en fait, ce qui est génial aussi, on n'en a pas parlé chez Deleuze maintenant, c'est les deux manières de couper le pain. Dans certains Deleuze, en tout cas, tu peux couper des tranches fines ou des tranches plus épaisses. Mais non. Si. Sur ce pain-là, je trouve ça plus sympa d'avoir des tranches qui sont plus épaisses. Tu peux même juste les toaster un peu et ça te donne vraiment une expérience très sympa. Ah, c'est génial. Et du sel, est-ce que c'est une quantité raisonnable ou... Oui, le sel, c'est quantité raisonnable. Et surtout dans ce type de pain, par exemple dans la brique multicéréale, on travaille avec un autre type de sel, du sel Posidonia. Le sel qu'on utilise dans les briques multicéréales est spécial parce que c'est du sel liquide qui vient de Formentera. C'est de l'eau de la mer qui contient de nature moins de sodium. Ok, bah super. Approuvé pour maman et bébé. We hebben bijgeleerd. Ja, dat is waar. Moet je eens proeven? Bien sûr. Personnellement, je donne des pains gris ou complets à mes enfants parce que c'est le meilleur choix. Il faut apprendre ça vraiment dès la première tartine. Ja, ja, het was ook lekker. Il n'y a pas de secret. Deleuze, mee met het leven.